Quelles sont les politiques à mettre en œuvre par les différents départements ministériels pour répondre aux besoins de la jeunesse? Les jeunes eux-mêmes sont mieux placés pour répondre à cette interrogation, d'où la tenue d'une rencontre ce matin à Ouagadougou entre jeunes et responsables des départements ministériels. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de dialogue entre les institutions du Sahel et les jeunes. Issaka Ouedraogo et Omar Zombri. Dialogue entre jeunes et institutions de la République. Issus du monde associatif, ces jeunes, 30 au total, venus de 4 régions du Burkina et de la capitale, participent ici à un atelier d'échange avec les représentants des différents départements ministériels sur les politiques et stratégies du gouvernement liées à la jeunesse. Le pourquoi de ce dialogue, c'est surtout d'abord du point de vue département ministériel, de voir les stratégies jeunesse qui existent, parce que nous savons que c'est de façon transversale que chaque ministère s'occupe de la question jeunesse. Quelles sont ces stratégies qui sont là? Quelle est la collaboration, la synergie qui y a entre ces différents départements ministériels? Qu'est-ce que les jeunes en savent de ces différentes stratégies qui existent et quel est leur apport? Pour le représentant du ministère de la Jeunesse, cette rencontre est une occasion pour les décideurs d'avoir une vue d'ensemble sur les préoccupations des jeunes. C'est là une belle opportunité pour nous d'avoir le retour de comment est-ce que la jeunesse compte elle-même s'investir pour se prémunir contre véritablement donc ces fléaux. Et comment également elle apprécie les actions que nous déroulons sur le terrain, dans le sens effectivement donc d'accompagner les États dans la mise en œuvre des stratégies. Au sorti de cet atelier, les participants devront être à même de définir et de s'accorder sur les stratégies en matière de politique liées à la jeunesse.